Salut à toi, pilote ou futur pilote! Voilà enfin la quatrième partie de la série pour débutants sur le montage d'un drone FPV. On va programmer et configurer ce quad pour voler. C'est le but après tout. Je vais aller assez loin dans les explications. Je pense que la vidéo va être assez longue. Il y aura des explications sur le Binder X, la mise à jour, l'activation et le bind du Vista. On va mettre à jour et régler les ESC et enfin un gros morceau sur Betaflight 4.4. J'ai été obligé de tourner cette vidéo sur plusieurs jours suite à des problèmes qui ne concernent pas la configuration du quad, mais ce que je voulais en obtenir. Je donne à la fin de la vidéo une explication sur le WTFOS et Beta 4.4, car c'est ça qui m'a posé problème. C'est une parenthèse, la vidéo s'adresse avant tout à ceux qui souhaitent programmer leur quad pour leur premier vol. Allez, c'est parti première opération je vais préparer mon RX pour ça je vais le binder à la radio commande pour le binder je vais utiliser un nouveau modèle ou créer un modèle si vous n'avez pas créé de modèle encore il y a plusieurs possibilités soit vous créez un modèle soit vous dupliquez déjà un modèle existant soit vous utilisez votre modèle actuel moi je préfère partir sur un nouveau modèle pour ça je vais me dupliquer un de mes modèles existants alors, je vais me dupliquer un modèle. Pour ça, je vais me dupliquer le modèle pirate qui est très proche au niveau configuration et niveau bouton et mix que je veux attribuer au Vega. Donc, je vais dupliquer le modèle pirate. Voilà. Donc, je dois avoir un deuxième modèle pirate. Voilà. Et celui-là, je vais le préparer pour. Mon nouveau quad. Donc là, le nouveau modèle est sélectionné. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle Parce qu'il est équipé d'un GPS et qu'au niveau des switches, je vais être sur la même configuration. Je vais récupérer mes sons, je vais récupérer mes images et l'ensemble de mes configurations qui seront équivalentes. Sauf que je pars sur un nouveau modèle. Donc on va un peu personnaliser ce modèle. Alors ça, c'est pareil, c'est facultatif. On va y mettre l'image que j'ai déjà téléchargée. Ok. Donc ça c'est bon. Alors moi j'attribue des numéros à mes récepteurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi c'est pour éviter qu'ils se bindent sur n'importe quel modèle. Donc, euh, chaque fois que je vais changer de quad, j'utilise un nouveau modèle et il a un numéro de récepteur qui est adapté. Donc, ce récepteur, ce sera le numéro 4 puisque les autres sont pris. Hop, 4. Chaque idée est unique. Le principal à configurer pour vos nouveaux modèles, c'est les mix. Vous aurez automatiquement les 4 attribués. Alors ça, c'est pareil, il va falloir vérifier l'ordre que vous soyez bien en A, E, T, R. Mais ça, normalement, les quatre canaux sont automatiquement configurés. Par contre, après, ce qu'il va falloir vous rajouter, c'est les autres canaux. Les autres canaux. Bon, moi, j'ai 12 canaux en plus, pour un total de 16 canaux, parce que c'est une radio qui est 16 canaux, donc j'utilise mes 16 canaux. Donc pour euh, rajouter vos canaux, sûrement vous, ce sera Vierge, peu importe votre radio. Vous allez dans le plus ou add, add Mix, etc., selon votre modèle de radio, et vous rajoutez votre nouveau canal. Ils auront normalement des numéros. Vous cherchez, en bougeant le switch, ça devrait vous montrer sur quel switch vous êtes en train d'agir, et vous attribuez des entrées. Après, ça nous permettra de configurer différents mix sur Betaflight pour le quad. Donc moi, mon modèle est créé. Je vais partir sur le modèle Vega, j'ai attribué un numéro moins RX maintenant je vais binder le RX pour binder le RX déjà il va falloir alimenter votre code pour ça deux solutions soit le RX est alimenté via l'USB en branchant votre carte de vol mais il y a pas mal de cartes où vous verrez il faut alimenter avec la batterie donc à ce moment là vous branchez une batterie pour pouvoir alimenter votre RX moi bon, je sais que ce RX est alimenté par la carte de vol donc j'ai pas besoin de brancher la batterie donc je branche juste un usb mon quad, vous voyez, j'ai ma carte qui clignote et mon RX qui clignote. Quand le RX clignote en vert comme ça, c'est qu'il est, qu est en, euh, en mode bind, il est en attente le bind. Donc, moi, c'est un RX Crossfire. Ce sera peut-être une autre procédure si vous utilisez ELRS ou un autre type de RX. Ça, je vous laisse voir. Donc, pour euh, binder mon RX, je vais aller dans le système. Je vais aller chercher le TBS Agent Light, qui est le LUA de Crossfire qui permet de binder. Je vais choisir XF Micro -TX. ça c'est mon TX à l'arrière. Alors j'ai vérifié la mise à jour auparavant, je suis en dernière version. Celui au moment du bind, il va également mettre à jour le RX. Donc j'ai bien vérifié que j'étais à jour sur mon TX, mettre la dernière version sur mon RX. Je suis rentré dans MicroTX et je vais bind. Voilà, là c'est binding. binding OK. Il n'a pas eu besoin de le mettre à jour, il devait déjà être dans la dernière version. Donc mon RX est bindé, il est vers X, c'est-à-dire qu'il se connecte à mon TX. Je peux sortir... De ce mode. Et on va faire un test. Je vais le débrancher. Voilà, il se baigne automatiquement. Il a attribué son numéro. Ce que je vais faire maintenant, je vais paramétrer mon RX. Je reviens dans le TBS agent Lite. Alors, ça, ça va être mes paramètres à moi. Maintenant, j'ai mon Nano RX Pro qui apparaît dans le menu. En général, alors déjà, moi, je vais mettre 12 canaux pour avoir accès à plusieurs switches. À mes 12 switch disponibles. 12 calendar. Télémétrie power, bon, pour l'instant, je laisse un minimum. RF profile, par contre, moi, je le fixe en 50 Hz. C'est là où j'aurai le plus de portée et il vaut mieux le fixer. Les safe code, ça, c'est bon. RC by -math link, bon, ça, je m'en sers pas. Ouf. Là, on est bon. Channel Map, c'est ce qui correspond à vos canaux. Donc, je vérifie que j'ai bien les 12 channels disponibles. Et ça, c'est OK. Si vous n'utilisez pas WTFOS pour DJI, pour avoir la télémétrie, il va falloir que vous paramétriez un canal. Un canal pour avoir le LQ. Le link quality, c'est ce qu'on utilise sur Crossfire. Pour ça, ça se passe dans le channel map, justement. Vous choisissez un de vos canaux, vous serez obligé sur votre radio, par contre, de laisser un de vos canaux libres. Et il va falloir que vous connaissiez, que vous attribuiez, les numéros des canaux. Moi, je sais, par exemple, que ce canal, c'est le 6, celui-là, le 5, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Par exemple, avant j'utilisais le switch SB pour avoir mon LQ. Donc le SB c'est 6, 7, 8, 9. Ce serait le 9. Il aurait fallu que j'aille dans le channel 9. Et là, on cherche LQ et on met LQ. Voilà. Donc là, le, le LQ passerait par le channel numéro 9. Et ça, c'est dans le cas où on a besoin de l'affichage du LQ dans le masque et qu'on n'a pas, qu pas le full OSD Betaflight. On n'utilise pas WTF-OS. Moi, j'utilise WTF-OS, donc ça me libère un canal. Donc je ne suis plus obligé d'attribuer le LQ à un canal. Donc je vais me remettre en channel 9. Le quad des bindé à la radio. On va pouvoir maintenant passer à la suite. Ensuite, je vais binder mon masque et activer le Vista, le VTX. Alors, moi, c'est pareil, je vois un DJI. Les procédures d'activation sont sûrement différentes sur Waxnail ou ce que vous allez utiliser. Et en analogique, c'est si une table VTX à rentrer dans Betaflight. Moi, je fais par rapport à mon drone. Donc, il faut que j'active le VTX. Pour ça, je vais le connecter à l'ordinateur. Et avant tout, je vais le refroidir. Parce que le temps d'activation, c'est assez long et il peut chauffer. Donc j'utilise un ventilateur que j'ai modifié avec une alimentation USB pour pouvoir refroidir mon VTX. Sur l'ordinateur, je vais aller sur DJI Assistant 2, DJI FPV Series. Une fois que est ouvert, je vais vérifier que je suis connecté à mon compte. Si vous n'êtes pas connecté, il faudra vous enregistrer et vous connecter à votre compte. Pour le Vista, on est obligé d'alimenter le quad pour alimenter le Vista. Et maintenant, je connecte mon Vista. Voilà, donc il m'ouvre à la fois la, la partie euh, stockage du Vista. Alors c'est vide, c'est normal, je le ferme. Maintenant, sur DJI Assistant 2, je vais sur FPVR Unit et il me demande d'activer. Mon R-Unit ou Vista. Donc, je confirme mon compte. J'accepte les termes suivants. J'ai lu les termes et j'active. Voilà, l'activation est bonne. Il nous précise que le casque DJI FPV, l'unité aérienne et la radiocommande doivent être activés séparément. Complet. Alors là, il nous demande de prendre une minute pour compléter. Euh, surveille. Enfin. Pff. Ça, moi, je m'en fous. Cancel. Nouveau firmware, je ne vais pas l'installer. Parce que moi, je vais passer en wtf Il veut absolument m'installer le nouveau firmware. Et je vérifie. Le firmware que j'ai, c'est le 000606. Moi, c'est celui qui m'intéresse. Je pourrais même passer sur le 608 pour avoir le WTFOS. os et je vais éviter d'installer la dernière version. Moi, je ne m'en sers pas. Donc, je reste sur le 606. Donc, ça, j'ai terminé avec euh, l'activation du Vista. Donc, je sors de là. Je déconnecte mon Vista. Et maintenant, je vais binder le Vista au masque. Pour binder le masque et le Vista, j'ai débranché le Vista de l'USB. J'allume mon masque. Et le masque est en train de s'allumer. Je laisse s'allumer. Une fois que le masque est allumé, on va lancer le bind. Il y a un petit bouton juste à côté de l'USB sur le Vista. Là, il est allumé en rouge. Et sur le masque, le bouton est juste en dessous de l'alimentation. clignote et voilà il est bindé. Je vérifie, j'ai bien l'image dans le masque. Je sais pas, vous n'allez même pas pouvoir voir, mais j'ai l'image actuellement dans mon masque. Donc ça c'est bon, le Vista est bindé et activé. Donc tant que je suis dans le Vista, je vais aller installer directement WTF OS. Pour ça je vais me rendre sur le WTF OS Configurateur. Je vais... Alors, bien sûr, il faut sortir, euh, il faut fermer euh, le DJI Assistant pour pas qu'il euh, se connecte au DJI Assistant et qu'il y ait de conflit. Donc, je vais brancher mon quad pour l'alimenter. Je vais de nouveau brancher l'USB. J'ai branché la batterie, branché le Vista. Je vais aller router le Vista. Une fois qu'il est routé, je reviens en menu, je me connecte, on va installer WTFos. Ok une fois que WTFos est installé, je vais aller installer les extensions. Alors, le, le FCC Unlock, l'MSP OSD. OK, maintenant que j'ai tout installé, je peux quitter WTF OS. On est bon. Donc, le masque est bien connecté. Je suis en train de régler vite fait. OK, tout fonctionne comme il faut au niveau euh, du casque terminé au niveau du Vista. Bind RX OK, bind Vista OK. On va pouvoir passer à la programmation du quad à proprement parler. Maintenant qu'on a apéré, bindé notre VTX et notre RX, on va pouvoir passer à Betaflight. Dans Betaflight, la première des choses, c'est bien sûr de télécharger le configurateur et la dernière mise à jour. Moi, personnellement, j'ai passé sur la 4.4, donc il me faut encore plus de la dernière mise à jour. Mais dans tous les cas, on essaye de passer par la dernière mise à jour. Comme ça, vous aurez la correction des bugs et autres. Une fois qu'on a téléchargé la dernière version de Betaflight Configurateur, on le lance. Ensuite, moi, j'aime bien dans l'option Activer le mode Expert de façon permanente. Le CLI avancé avec saisie semi-automatique. Ensuite, je mets le, le, monde, le mode sombre. Voilà. On peut revenir sur Bienvenue. On va connecter son quad pour avoir accès à Betaflight. Inutile de l'alimenter via une batterie. Normalement, une simple connexion USB suffit largement. Moi, je suis en connexion automatique, donc euh, Betaflight s'est ouvert. Euh, ça c'est il me demande de choisir un protocole moteur. On va le faire dans un second temps. Ça, je vais fermer. Par contre, ce que je vais faire directement, c'est une mise à jour du firmware pour le passer en 4.4. Avant de faire cette mise à jour, par exemple, supposons que vous soyez en 4.2. Moi je suis déjà en 4.4 parce qu'en fait je retourne cette partie de la vidéo et j'avais déjà fait une, une première installation. Mais je reviendrai plus tard. Donc supposons que vous soyez en 4.2 avec euh, votre carte stock, on va avant tout sauvegarder la configuration avant de faire la, la nouvelle mise à jour. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit vous passez par l'onglet Preset et vous enregistrez une sauvegarde. Voilà, vous l'enregistrez dans votre ordinateur, dans un dossier correspondant. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Deuxième solution, on peut passer par le CLI. On va dans le CLI, on tape la commande diff all, on fait entrer, et ensuite on fait enregistrer sous. Et vous pouvez de nouveau enregistrer la configuration. Voilà, c'est deux solutions pour euh, enregistrer la configuration avant de faire une mise à jour. Retenez ces solutions, on peut être amené à y revenir assez souvent, à faire des sauvegardes de temps en temps, notamment dès la première mise à jour. En général, dès le changement de firmware, j'enregistre le, le firmware de base, pour avoir une trace. On se reconnecte à Betaflight. Alors ça, je le ferme. Donc on va mettre à jour Betaflight, enfin le logiciel du quad. On va aller dans « Mise à jour de firmware ». On s'assure qu'un comme est activé. Et ce qu'il va falloir s'assurer, c'est que son quad a la capacité de, de passer en mode bootloader. Alors, des fois, ce n'est pas le cas via Betaflight. C'est en général un problème de firmware. Assurez-vous d'avoir un câble data qui communique bien avec votre ordinateur. Première des choses. Seconde des choses, souvent, il faut réinstaller les, les bons drivers. C'est un problème de driver en général. Pour. Euh, Activer et installer les bons drivers, vous allez passer votre quad en mode bootloader. Pour ça, il y a deux solutions. Soit vous appuyez sur le bouton boot de l'AFC pendant que vous connectez votre quad. Il devrait se connecter en mode bootloader. Soit on va revenir dessus, soit vous allez dans le CLI, vous tapez la commande BL. Et là, ensuite, il se met en DFU STM32 Bootloader. Donc moi je vais sortir du mode si jamais il ne se met pas en mode de bootloader ou pendant la mise à jour, ça bloque parce qu'il y a un problème, vous voyez un message ici, euh, je ne sais plus ce qui a marqué exactement, mais euh, il me qu'il y a un problème de connexion USB ou euh, un truc qui ressemble à ça. À ce moment-là, vous allez lancer l'utilitaire, on va revenir sur le menu, vous allez lancer l'utilitaire Impulse RC Driver Fixer que vous pouvez télécharger ici. Cet utilitaire, pour qu'il fonctionne correctement, vous vous mettez au préalable en mode bootloader. C'est-à-dire que vous revenez dans le CLI, comme je vous ai montré. Vous le mettez en, en mode bootloader. S'il ne veut pas, en passant par le CLI, vous activez le mode bootloader à la carte. Vous branchez votre carte et vous lancez ImpulseRC RC Driver Fixer. Il devrait rechercher, ça prend un petit peu de temps. Il va rechercher les bons drivers et va les installer. Ensuite, normalement, ça marchera. Donc voilà, vous avez le, les principales informations pour pouvoir vous connecter en mode bootloader ou installer les drivers s'il y a un problème. Donc on va revenir sur notre mise à jour de firmware. Alors moi je vais flasher en 4.4. Déjà je vais détecter automatiquement ma FC. Alors on appelle ça une cible ou une target. La target, vous allez la retrouver en général sur le manuel de, de, de connexion de, de votre FC, sur le manuel d'installation. Par exemple moi sur mon manuel, je vous le montre sur la seconde caméra. Il y a bien marqué Target T-Motor F7 V2. On fait très attention d'utiliser la bonne Target. Si vous n'utilisez pas la bonne Target ou cible, vous allez installer un mauvais firmware. Il y a une grande chance soit de briquer la carte, soit que ça ne fonctionne pas correctement ou partiellement. Et d'être embêté pour la suite. Donc on s'assure de détecter la bonne Target. Ensuite, moi je vais installer la dernière version. Je sais que ma carte est compatible normalement. Donc, moi, bon, je vais passer en 4.4.0 parce que j'ai envie de, de la tester. La 4.4, vous pouvez également passer avec euh, ce configurateur et sur ma carte en 4.3.2 ou en 4.2.11. Donc, je reste bien sur la 4.4. Je ne vais pas faire de redémarrage, effacement complet de la puce. Sur le nouveau configurateur Betaflight, on peut alléger le firmware. Les firmware bêta sont de plus en plus importants et prennent de plus en plus de place. Même si le processeur est capable de gérer le firmware, c'est souvent l'emplacement mémoire qui peut faire défaut, surtout sur les plus petites euh, cartes, type F4. Donc on peut alléger et enlever ce dont on ne va pas se servir. Ce que je vais faire maintenant. Moi, j'ai un protocole radio, je vais utiliser que le crossfire. Donc je n'ai pas besoin de Ghost ou SBUS. Je vais sélectionner. Crossfire, ça c'est pour ma configuration, vous sélectionnez bien sûr le protocole radio qui correspond à votre configuration. Protocole de télémétrie, que ce soit Crossfire ou ELRS, on ne choisit rien. Dès qu'on euh, qu met le protocole radio Crossfire, on aura auto automatiquement le protocole de télémétrie. Par contre, si vous avez un euh, autre protocole, c'est à cet endroit qu'il faut le choisir, le Mavlink, le Smartport. Protocole moteur, 10 alors pour les cartes les plus récentes, c'est 10 shots en général. Si vous avez une carte plus ancienne, vous avez les autres protocoles qui sont disponibles ici. Je reste bien 10 shots. Maintenant, je vais choisir des options. Des options qui m'intéressent. Flash Storage, ça je le garde. C'est pour la Black Box. Le GPS, j'ai bien un GPS. LED Strip, j'ai des LED sur mon quad, donc je laisse LED Strip. Si je n'avais pas de LED, je pourrais très bien l'enlever. Je vais laisser OSD, SD et OSD HD. PIN IO, apparemment c'est pour contrôler une, une caméra, d'après ce que j'ai compris, une caméra externe via la type des caméras GoPro Naked, je pense, ou autre. Bon, moi, je ne m'en sers pas de PIN IO, donc je le retire. VTX, c'est pour les VTX analogiques. Pareil, moi, je n'ai pas de VTX analogique, je ne vais pas surcharger mon firmware avec le VTX analogique. Par contre, je vais aller voir les autres options qui pourraient m'intéresser. Accro-trainer, non. Euh, Bat-continue, non. Dashboard. Pas de cerveau. j'ai pas de magnétomètre. Et j'utilise pas de VTX. Donc, OK. Donc là, j'ai allégé ma version du firmware. On a bien défini le firmware qu'on va installer et les options qu'on veut installer pour sa configuration. On va charger le firmware online. Alors, moi, c'est allé très vite. Là, vous avez le statut. Parce que un, une compila les compilations des firmwares sont faites sur des serveurs externes de, de Betaflight. Et euh, si quelqu'un a déjà fait cette configuration, il a mémoire. Donc, la compilation se fait très vite et j'ai de suite télécharger le firmware. Si vous demandez des firmwares un peu particuliers où il a, ça n'a pas encore été compilé, ça peut prendre un peu plus de temps. Vous avez une barre qui s'affiche et vous avez la progression. Voilà, là j'ai le firmware en ligne qui est chargé dans mon configurateur. Ce qu'on peut faire, on peut sauvegarder ce firmware. Le sauvegarder sur votre ordinateur. Pour ça, vous cliquez sur le firmware ici et vous le sauvegardez. Moi, j'ai déjà sauvegardé une première compilation. Et je vais sauvegarder aussi cette compilation. Enregistrer. Maintenant, on va flasher le firmware. On a tout bien vérifié. Le firmware est prêt. On clique sur Flasher firmware. Voilà, il efface la puce. Et maintenant, il est en train de flasher. Voilà, une fois flashé, donc programmation de succès est marquée en bas, on peut se connecter à Betaflight. Chaque fois que vous allez vous connecter, il va vous demander d'appliquer les réglages par défaut de cette carte, ce qui est tout à fait normal. Lui, il compile une version de firmware par rapport à ce que vous lui avez demandé, mais chaque carte a après ses réglages spécifiques qu'on va appliquer à cette étape. Donc on fait chaque fois appliquer les réglages par défaut de cette carte. Alors là, il met un message d'avertissement, ce qui est normal. Il faut sélectionner un protocole moteur et calibrer l'accéléromètre. On fait fermer. À cette étape, je vais sauvegarder l'installation. Le firmware de base, la première installation. Je n'ai rien touché. Je fais juste une sauvegarde. Donc, je vais faire... Moi, j'aime bien passer par le CLI. Donc, je vais faire un diff. All. Entrée, j'enregistre sous et je vais rajouter stock. Enregistrer. Voilà. Donc ça c'est bon, je peux déconnecter pour sortir du CLI. Maintenant, cette étape, je vais calibrer l'accéléromètre. Pour calibrer l'accéléromètre, vous mettez votre quad bien à plat. Et vous appuyez sur calibrer l'accéléromètre. Voilà, il va se redresser et il a calibré l'accéléromètre. Deuxième chose que je vais faire, je vais aller sélectionner un protocole moteur. Je le fais maintenant à cette étape, parce que je vais ensuite aller euh, télécharger les derniers firmware pour mes ESC. Comme moi, c'est des ESC d'occasion, euh, enfin que j'avais en stock depuis longtemps, qui tournait sur notre quad, je vais mettre à jour les ESC et euh, mettre les, les réglages pour un 7 pouces. Mais pour pouvoir communiquer avec les ASC, il faut qu'il y ait un protocole moteur de choisi. Donc je vais aller choisir un protocole moteur. Pour l'instant, je choisis juste un protocole. Je prends le D-SHOT 600 pour moi. Je vous expliquerai après plus en détail pourquoi. D-SHOT 600, ok. Et là, toujours, chaque fois qu'on fait une modification dans ces onglets, sauvegarder et redémarrer. Maintenant que mon protocole moteur. Pris en compte, je vais me déconnecter et je vais aller mettre à jour mes ESC. Pour mettre à jour mes ESC, j'ai téléchargé BLLI Suite 32, qui est le gestionnaire, le logiciel qui me permet de, de gérer mes ESC qui sont en BLLI 32. Il va falloir alimenter son quad. Au préalable, on ferme bien Betaflight pour pas qu'il y ait de conflit ensuite j'ai vérifié que j'ai bien la dernière version de BL Suite de BL suite. donc je branche mon code et je branche l'AFC alors pourquoi il fallait sélectionner un protocole moteur c'est pour pouvoir justement qu'en passant par l'AFC que le logiciel communique avec les ESC donc ensuite on va se connecter Là, il est en train de se connecter. On va lire le setup. OK. Donc déjà, je vois qu'il a trouvé un multiple, un ESC 81. J'ai tous mes ESC qui sont bien lus. Contre, j'ai une révision 32.7. OK. Et ensuite, ils étaient configurés pour un 5 pouces. Donc déjà, on va fâcher BLLI. On va aller dans ESC flash. On sélectionne les 4 les 4 ESC. moi c'est un ESC 41. On va les flasher de la dernière version 32.9. J'espère qu'elle va bien, bon, j'ai rien lu de spécial sur la 32.9. Je sais qu'il y avait des, des versions où il valait mieux éviter. Bon, moi je vais flasher dans cette version à mes risques et périls. Normalement c'est bon. J'ai bien sélectionné mes 4 ESC et on fait flash les ESC sélectionnés. Donc il est en train de flasher le premier. De bon, toute façon, je vais vous accélérer tout ça bien sûr. Alors, il m'a bien flashé tous les ESC. Alors, bien sûr, quand vous faites toutes ces opérations, c'est sans les hélices. Ça, euh, je ne devrais même pas le préciser. C'est hyper dangereux de flasher des ESC ou de toute façon connecter, brancher une batterie en quad avec des hélices activées. Euh, donc, tout a été flashé. Il passe par plusieurs étapes. Tout s'est allumé en vert. Il fait OK. Je vais vérifier les ESC sélectionnés voir si tout va bien. Ok, donc j'ai vérifié mes ESC. Donc on est bon. Revenir sur ESC Setup. Par principe, je vais déconnecter. Voilà, parce que après, flasher, après avoir flashé les ESC, il vaut mieux redémarrer les ESC en déconnectant et reconnectant la connexion. Je fais ok. Donc, je vais déconnecter et reconnecter ma batterie. Donc, on va se reconnecter. On le laisse se connecter tranquillement. Voilà. On va de nouveau lire le setup. Voilà, il me redétecte tous les bons. Je suis bien sur la 32.9 maintenant. Donc, le flash est très bien passé. Okay. Et maintenant, je vais pouvoir configurer mes ESC. En plus, il les a remis à zéro, c'est parfait. Pour la configuration, moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, je fais un mix entre euh, UAV Tech et, euh, et celle qui est conseillée par, euh, par Doche pour, euh, pour le Vega. Si vous voulez euh, flasher, enfin configurer les quatre ESC en même temps, il faut qu'en bas, tout soit sélectionné. Par exemple, là, à ce moment-là, je sélectionne un seul ESC. Si je clique là, j'ai plusieurs ESC sélectionnés. 3 et 4. Alors ça, c'est utile quand on change la direction des moteurs. Euh, parce qu'on peut directement changer la direction des moteurs s'ils ne tournent pas dans le bon sens. Euh, ça, par exemple, vous voulez changer juste la direction du moteur 1. Vous désélectionnez le 2, 3, 4. Vous... Et ensuite... Vous pouvez mettre en sens inverse le moteur 1. Ça, je ne vais pas y toucher. C'est directement accessible via BetaFlight maintenant. Donc, je vais juste mettre les paramètres. Et les paramètres, on n'est pas mal du tout déjà. Alors, apparemment, c'est pour le 7 pouces, on serait les paramètre stock. Sauf que UAV Tech dit un medium ou height. Bon, on va laisser en low, déma compensation, motor timing 23 degrés, ok. Euh, ça c'est bon, ça c'est bon. Plus ok, minimum sort up start up beacon, ok. Beacon délai 5 minutes, ok. Je vais me mettre à 3 minutes et double frequency le 7 pouces en restant 24 kHz c'est très bien bon, pour tout ce qui est réglage moi je vous laisse par rapport à votre quad allez je vous oriente plutôt vers des mecs un peu plus spécialisés euh, comme UAV tech ou, euh, ou ce qu'on pourrait vous conseiller pour votre euh, votre quad moi c'est j'y mets ce qui est conseillé pour mon quad j'ai déjà expérimenté euh, des, des réglages euh, mais je suis pas assez calé pour euh, vous dire faut absolument mettre ça ou si donc, euh, je sais que pour un 7 pouces, on conseille une fréquence de 24 kHz. Pour un 5 pouces, on va plutôt être sur le 48 kHz, par exemple. Pareil, on va sûrement modifier sur un 5 pouces le moteur timing. Mais avec Tech, conseil 23 degrés pour le moteur timing 1 7 pouces. Je vais rester sur 23 degrés. Et euh, le reste, on est bon. Donc, euh, si vous aviez fait des modifications, moi j'ai juste euh, beacon de delay que j'ai modifié. On fait écrire le setup, Donc, Write Setup. Il va écrire sur les 4 ESC le setup. L'écriture est OK. OK. Donc maintenant, on peut se déconnecter. Vous avez dû entendre le quad qui redémarre, c'est normal. Donc mes ESC sont, sont prêts. On va pouvoir revenir sur Betaflight. On a fini avec les ESC. Donc, on a déconnecté son quad. On a bien fermé BLLI32. On a débranché la batterie. Maintenant, on reconnecte son quad et on va aller faire les onglets de Betaflight, la configuration de Betaflight. Donc, je connecte le quad. Une fois connecté, on va faire les onglets un par un. Donc, euh, l'accéléromètre, on l'a calibré. On va aller ensuite dans l'onglet Port. On s'assure que le mode expert est activé pour avoir tous les onglets disponibles. Dans l'onglet port. L'onglet port, c'est là où on va rentrer nos UART pour faire communiquer avec nos périphériques, que ce soit DJI, le RX, un VTX si vous avez un VTX. Pour bien configurer ces UART, il faut avoir, lors du montage, noté à quel UART on attribuait par exemple sur quel UART on branchait le DJI le VT... ou le VTX, sur quel UART on branchait son RX. Alors moi j'ai désactivé la Luart 5, je pense que c'est pour le Wi-Fi, mais je ne suis pas sûr. Euh, j'ai essayé de, de vérifier en dehors, mais, mais je n'ai pas trouvé l'info. Mais bon, s'il y a besoin de le réactiver plus tard, ça c'est pas un problème, je verrai plus tard. Mais euh, je préfère partir sur une base vierge. Alors, moi j'ai noté euh, sur quelle UART est connecté mes différents périphériques. Sur cette carte, le VTX est connecté sur l'UART 1. Avant de le connecter, je vais déjà faire entrer une ligne de commande. Je vais rentrer une ligne de commande pour activer euh, l'HD Betaflight. C'est la nouvelle fonctionnalité qui est disponible euh, dans la 4.4 pour avoir l'OSD étendu en version HD. Euh, donc, cette ligne de commande, je l'ai ici. Non, ça c'est sans HD. Cli 4.4 HD. 7 OSD. Hop. J'ai copié-collé dans mon CLI, et ça m'a automatiquement rentré les lignes de commande. Euh, ensuite, donc, je reviens dans l'onglet Port. Je reviendrai plus à la fin de, de la vidéo sur euh, ceux qui utilisent WTFOS. J'ai été confronté à quelques problèmes justement par rapport à, à ça. Donc euh, je vous exposerai les solutions que j'ai trouvées. Pour les autres, euh, peu importe, ça ne nous empêche pas de, de configurer son quad pour voler, surtout quand on est débutant. Le WTFOS, euh, déjà un peu plus euh, être avancé dans le hobby. pas non plus être un expert, hein, mais euh, juste un peu mieux comprendre certaines particularités. Bref, on revient sur les UART. Donc, moi, l'UART 1, c'est pour mon VTX. VTX DJI. Je vais aller dans Périphérique. Donc, en face UART 1. Et je vais sélectionner MSP plus DisplayPort. M'a automatiquement activé l'UART 1 MSP pour DisplayPort. Ça, c'est pour la 4.4 et pour les VTX numériques, que ce soit DJI, l'Avatar, HD0. Pour les autres qui sont en VTX analogique, vous allez choisir euh, votre protocole de, de communication, euh, Smart Audio ou IRC Trump dans cette colonne, dans l'UART correspondant. Au numéro où vous avez branché votre VTX, bien sûr, et il va automatiquement ensuite activer la, la configuration MSP. Voilà donc VTX MSP. Le RX, le RX, donc le récepteur, le récepteur est branché sur l'UART 2. Vous voyez que moi par défaut il est déjà euh, activé parce que sur cette carte il conseille de le mettre sur, sur, ce, sur cette UART. C'est ce que j'ai fait de toute façon, j'ai suivi le plan de montage. Donc, UART 2. J'ai aussi un GPS. Alors, vous remarquerez que j'active pas ça, là. Je n'active pas la colonne, j'active juste la, la colonne Serial RX. Ni le reste. Sinon, ça, euh, ça foutre le bazar. Restez poli et euh, ça ne va pas marcher comme il faut. Donc, votre RX, c'est Serial RX. Hop, on active la colonne Serial RX en face du numéro du UART correspondant. Ensuite moi j'ai un GPS. Mon GPS il est sur l'UART 3. La même chose, je ne vais pas activer ni celle-là ni celle-là. Je vais activer une entrée capteur. Parce que le GPS c'est considéré comme un capteur. Donc là je vais dans, dans cette colonne et je vais chercher GPS. Voilà. GPS est activé. L'UART5, bon, ça, je le déconnecte pour l'instant parce que je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Peut-être le Wi-Fi. Bon, a priori, ça ne me dérange pas de déconnecter de la carte. Et au pire, je pourrais toujours revenir dessus. Donc, moi, j'active ce que j'ai besoin. Ah, ça y est, j'ai activé mon DJI. J'ai activé mon Serial RX. J'ai activé mon GPS. Je n'ai pas d'autres UART utilisés. Là, on est bon. À chaque modification, on fait « Sauvegarder ». Et redémarrer. Comme ça, c'est pris en compte. On va vérifier dans les ports. Au niveau des ports, on est bon. On passe à la suite. Onglet Configuration. Dans l'onglet Configuration, ça contient les paramètres système de base. La plupart des paramètres peuvent être laissés par défaut, mais il y a quelques éléments à modifier. Déjà, on va vérifier sa fréquence de rafraîchissement du gyro. Donc on commence par la fréquence de rafraîchissement du gyro. Moi bon, je vais la laisser à 8 kHz. C'est le taux de fréquence de mise à jour du gyroscope. Normalement c'est un nombre fixe et variable selon le type de gyroscope qui est installé. De mémoire sur le BMI 270, vous serez bloqué à 3,2 kHz. Ensuite, la fréquence de la boucle PID. Alors de manière générale, sur un gyroscope, enfin, sur un processeur pardon, F7, la fréquence de la boucle PID, je la laisse à la même fréquence que le gyroscope, soit 8 kHz, ou on peut descendre à 4 kHz. Si jamais votre, vous voyez que votre processeur est saturé en, au niveau du pourcentage, on peut être amené à descendre à 4, à 4 kHz. Sur une F4, on le mettra à 4 kHz. Alors là, je parle des caractéristiques du, du processeur de la carte. Si vous avez une carte F4, en général, on préfère descendre à 4 kHz pour qu'il y ait moins de calculs à faire par le processeur. Sur une F7 ou une H7, comme la mienne, c'est soit 4 kHz, soit 8 kHz. Et si vous, êtes, si vous avez un BMI 270 au niveau des gyroscopes, vous allez être bloqué à 3,2. Kilohertz, ce qui est tout à fait normal. Et on utilisera un protocole moteur différent. Ça, on verra quand on sera au niveau du protocole moteur. Donc là, je suis bon. L'accéléromètre, moi, je le laisse enclencher parce que j'ai un accéléromètre, bien sûr. Et le baromètre, j'ai un baromètre sur cette carte. Si vous n'avez pas de baromètre sur votre carte, vous pouvez le décocher. Magnétomètre, j'en ai pas. Personnalisation, alors ça, c'est comme vous voulez. Le nom du modèle, moi, je vais mettre Vega. Je vais mettre mon nom de pilote. Ça, c'est une nouveauté sur la 4.4. La caméra angle, bon, ça, en général, on ne règle pas. Armé. Armé, par contre, on va le régler. On ne va pas le laisser à 25 degrés. Si jamais vous vous retournez, cet angle ne vous, vous permettra pas de réarmer votre quad. Donc, pour pouvoir le réarmer, dans ce cas-là, on va mettre l'angle à 180 degrés. Ensuite, les autres fonctionnalités. Alors, euh, calibrage du niveau de Sanon. Je n'ai pas de gimbal. Sauf ça de Sanon, Sonar. Je vais activer le bandeau LED, par contre. Display. Écran LED. j'ai pas d'écran LED. On laisse l'affichage, bien sûr, OSD. Et l'air mode permanent. L'air mode permanent, je vous conseille de laisser ici, activer. On peut, le, on peut le régler dans les modes. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Mais j'ai une configuration très particulière entre ma radio-commande et les modes. Ce que j'essaierai de vous expliquer plus tard. Dans tous les cas, je vous conseille de laisser l'air mode activé. Le GPS. Donc moi, j'ai bien un GPS. Donc je vérifie bien que c'est activé. Je vérifie en haut. Bon, pour l'instant, pour il ne me le détecte pas. Ça, c'est normal. Ensuite, je vais aller... Je laisse un, moi, un protocole u -Blocks. Je ne mets pas bord d'auto. Je ne mets pas bord d'auto parce que je vais fixer la vitesse de communication de mon GPS. Ce que j'ai oublié de faire d'ailleurs dans l'onglet port. Donc je vais sauvegarder et redémarrer pour mes premières configurations. Je reviens dans mon onglet port. Et en face, ah, ben, il me l'a mis automatiquement. 57600. C'est la vitesse à laquelle j'ai fixé mon GPS. Vous laissez un auto si vous n'avez pas modifié votre GPS. Moi je l'ai modifié. Il y a une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Je l'ai modifié pour qu'il fixe plus vite. Ce n'est pas destiné à tous les GPS. Il faut avoir certains modèles de GPS. Donc si vous êtes un GPS, vous ne savez pas. De base, sans modification, vous laissez un mode auto. Je reviens dans mon onglet configuration. Donc on en était à GPS. Donc moi, je ne mets pas bot auto, par contre, je laisse config auto. J'utilise Galileo, je l'ai activé. Et je définis le point de départ qu'une seule fois. Ça, ça permet que si jamais euh, vous désarmez en plein milieu du champ, par exemple, et que vous réarmez, lui, il va détecter son nouveau point de départ en plein milieu du champ, là où vous avez réarmé. Donc, je définis le point de départ uniquement à la première connexion euh, batterie. Comme ça, c'est bon. Et euh, ça, je mets en auto -détect. D'assistance au sol, ça c'est pour euh, avoir des assistances. C'est pour les GPS. Il y a, il y a des, euh, des balises d'assistance en gros euh, dans, dans les pays. Euh, il a besoin de les détecter automatiquement pour pas s'embêter. L'onglet GPS est terminé donc on va vérifier. J'ai branché la batterie pour voir s'il me, me détecte bien le GPS et vous allez voir. En haut, normalement, voilà, mon GPS s'est allumé, donc il est bien détecté. GPS, OK. Je débranche. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va revenir en haut. Sens de la carte et du capteur. Alors, je l'ai fait déjà, mais euh, vous, là, normalement, c'est à zéro. Euh, je l'ai fait parce que tout simplement, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc, je suis en train de re-enregistrer toute une partie de la vidéo. Bon, c'est pas grave. Euh, le sens de la carte et du capteur. Si votre carte est montée physiquement à l'envers, par exemple, c'est-à-dire sur une carte, sur une FC, vous avez une flèche qui indique l'avant du quad. Euh, normalement, on monte la carte dans le sens de la flèche pour indiquer l'avant. Comme ça, on est tranquille, il n'y a rien à modifier. Moi, pour des raisons euh, hardware, pour euh, des passages et des branchements de fils, pour souder certains fils à certains endroits, j'ai retourné ma carte. J'ai la flèche qui pointe vers l'arrière. Donc, il faut, il faut que j'indique à Betaflight et à mon gyroscope dans quel sens va mon quad. Donc, j'ai mis 180 degrés sur le yo. Si votre carte était, par exemple, à l'envers, sur le roll, sur le roll, si elle était retournée, qu'elle était plaquée contre le haut, retournée, par exemple comme sur certains quads, des quads pusher souvent, euh, vous mettez 180 degrés sur le roll ou 90 degrés sur le roll. Je dois me tromper. Enfin après vous pouvez essayer, ça c'est pas c'est pas un souci. Donc moi je suis à 180 degrés sur le yo ça ok. Donc on fait sauvegarder et redémarrer. En général quand on a touché ça, voilà, il vous remet la, la page d'installation. Recalibrer votre, votre, votre accéléromètre. Et après, il suffit de vérifier en prenant son quad. on le penche vers l'avant, on le penche vers l'arrière, sur le côté, on met du yo aussi manuellement et on regarde si on est dans la bonne direction. Voilà, bon, il, est, il est dans la bonne direction. Donc c'est bon. On revient dans l'onglet configuration. Qu'est-ce que j'ai touché ensuite dans l'onglet configuration Donc j'ai mis, j'ai changé la tonalité de mon beacon. Vous avez des numéros et je crois que c'est différentes tonalités de sonnerie. J'ai mis la numéro 5, peu importe. J'ai activé RX Lost et RX 7 Ça c'est pour avoir des pips, des bips comme c'est marqué. Après euh, perte de signal ou extension de la radiocommande, bip qu'on envoie est réglé pour bipper, Si on a attribué un switch pour le bip. Configuration du beeper. Alors je laisse tout par défaut sauf USB. USB je déconnecte. Ça évite que lorsqu'on est sur le plan de travail, bah, comme c'est marqué, ça évite à ce que est-ce que le BIP se met à sonner si on connecte et déconnecte une batterie par exemple Voilà, donc moi je déconnecte en général USB. On a fini avec l'onglet configuration, on sauvegarde et on redémarre toujours. Alimentation et batterie. Il va y avoir une chose à vérifier. Pour ça, vous allez prendre une batterie et mesurer la tension. Donc, moi, j'ai une tension de 24,47. Vous pouvez le faire avec un multimètre, bien sûr. Cette batterie, je vais la brancher. Je laisse mon, mon indicateur à proximité. Comme ça, j'ai une, une tension. On s'assure à ce que la tension qu'on qu a lue, la valeur de tension qu'on a lue, correspond à la valeur de tension qui est affichée à haut. Ça, c'est pour le calibrage du capteur. Donc, euh, moi, je dis 24,42. Et en haut, j'avais 24,42. Ça, ça varie un peu. On n'est pas à 0,10 près, bien sûr. Hein. Euh, surtout qu'après, euh, on peut modifier cette valeur soit en jouant sur l'échelle. Si on augmente l'échelle, ça va modifier la valeur. Soit en étalonnage. Par exemple, vous auriez euh, 23,6 au lieu de 24,3. Vous lancez l'étalonnage. Moi, je vais laisser, euh, je, je mets la valeur que je lis, 24 à 41. Oui, Faites oui. calibrer, voilà, et lui, il vous donne l'échelle de tension calibrée à 110. Donc, moi, c'est le stock, il est déjà bien calibré. On fait appliquer l'étalonnage. Donc ça, on est bon, on peut débrancher la batterie. Ensuite, on pourrait régler l'échelle pour l'intensité, mais ça, je ne peux pas le faire maintenant. Il y a une procédure, enfin, il faut en général voler, regarder combien de la batterie a consommé de MAH, ensuite recharger sa batterie, voir combien, de combien elle recharge, et euh, s'il y a une différence de consommation, il y a une règle de calcul à, à faire pour ajuster l'échelle. Euh, vous avez euh, sur Culture FPV, sur le forum Culture FPV, vous avez un article qui vous aide, où il y a directement un tableau où vous rentrez votre échelle actuelle, la, euh, la consommation que vous avez eue et euh, ce que vous avez rechargé en MAH, et il vous donne euh, l'échelle, la bonne valeur d'échelle à modifier. Donc ça, on le fait une fois qu'on a commencé à voler, on calibre son intensité et son échelle. On a terminé avec alimentation et batterie. On fait sauvegarder le fail safe. En général, les plages d'impulsion valides, ben moi c'est bon. Euh, je vais pas toucher au reste pour l'instant, c'est inutile. Euh, ça c'est l'action que fait le switch fail safe. On a, il est en stage 1 Vous pourriez par exemple le mettre en stage 2 Donc si vous mettiez en stage 2 ça quand vous activeriez votre switch fail safe il activerait un de ses paramètres. Le stage 2, on a soit la procédure fait safe ou le quad va tomber. On laisse cette procédure, on ne fait pas la procédure atterrir. C'est trop dangereux. On ne sait pas, euh, si on perd la, la connexion radio, qu'on n'a aucun contrôle sur le quad et qui va atterrir euh, dans une zone non contrôlée, et où, y a, où il peut y avoir des gens en dessous. Ce n'est pas du tout sécuritaire. Donc euh, soit la procédure, c'est il tombe soit on met un sauvetage GPS. Moi, j'ai le GPS, donc je vais activer mon sauvetage GPS, sauf que je ne vais pas l'activer de suite. Par défaut, vous serez comme ça. Par défaut, vous serez comme ça. Moi, je vais autoriser l'armement sans fixe GPS. Alors ça, c'est pour pouvoir finir de configurer mon quad sur le terrain, pour pouvoir le démarrer sans fixe GPS, parce que mes premiers vols, ça va être de faire le tuning des filtres. Et, les, et des PID. Je ne vais pas euh, m'amuser à, à aller suffisamment loin pour utiliser le sauvetage GPS ou autre. Par contre, j'ai besoin, comme j'ai un GPS sur la machine et que je lui ai dit que j'avais un GPS, dans tous les cas, il faut mettre sauvetage GPS pour pouvoir autoriser l'armement sans fixe GPS. Donc, activez ça. Et ensuite, vous, re, vous repassez sur tombe, sauvegarder et redémarrer. Si vous faites pas ça, votre quad, comme vous lui avez dit que vous avez un GPS, il ne redémarrera pas. Enfin, il ne voudra pas démarrer parce que lui, il dira, ah euh, euh, Tu n'as pas fixé le nombre de satellites. Même si vous n'avez pas mis sauvetage GPS. C'est ça, le... c'est un peu bizarre ça. Quand vous avez un GPS pour les premiers réglages, faites cette manip. Par contre, après, l'intérêt d'avoir un GPS, c'est aussi d'utiliser le sauvetage GPS, surtout sur un 4.4. Une fois que votre quad est paramétré, vous pouvez régler vos valeurs pour, et activer le sauvetage GPS. Dans ce cas-là, il faudra par contre décocher, autoriser l'armement sans fixe GPS pour que le sauvetage GPS fonctionne. Quelques chiffres, moi en général je mets un satellite minimum de 6, c'est très bien. Et euh, après le reste, je laisse plus ou moins par défaut. Et euh, gaz minimum, euh, euh, enfin surtout le maintien de gaz, ça je demande... Euh, un pote de, de, de me dire à combien je suis en, en maintien de gaz sur la radiocommande quand je, je maintiens un stationnaire à mon quad, et j'adapte la valeur. Bon, ça, c'est c'est petit détail, euh, votre GPS. Donc, euh, ça, on est bon, mais sauvegarder et redémarrer, bon, je l'ai déjà fait, mais bon, je le refais, ça ne coûte rien. Euh, fail safe c'est fait. P7 alors l'onglet presets, ça vous permet de mettre des presets comme son nom l'indique. Ça peut être euh, soit des tunings directs pour euh, du 4 pouces, du 5 pouces, du 6 pouces, des tunings adaptés à la race, au freestyle, au cinématique, etc. Il y a plein de tunings au choix. Le mieux, c'est déjà de se renseigner sur les auteurs des tunes, de les essayer, mais pr pas prendre ça pour argent comptant. Il peut un tune même bien fait peut être adapté à votre machine. Donc, pour le début, moi, je ne mets pas de tune. Le, le but, c'est de décoller. Déjà, je vais tuner euh, mon quad moi-même, même si je vais sûrement essayer un tune, une fois que j'aurai tuné mon quad, un tune 7 pouces de UAV Tech, celui-ci, pour, euh, pour voir euh, ce qu'il y a à lui, et pour tester. Quoi. Après, ça ne m'empêche pas de revenir sur mon tune. Et en plus, ceux de UAV Tech, on peut les modifier. Ils sont, ils sont vraiment bien faits. Euh, bon, ça, c'est une parenthèse. Par contre, ce que je vais mettre euh, pour le mon protocole radio, que vous soyez en ELRS 150 Hz, que vous soyez en Crossfire 50 Hz euh, ou 150 Hz, il existe des réglages de protocole radio. Ça va adapter un des paramètres, c'est le paramètre RC Smoothing. Et, euh, et ensuite, ça, je crois que ça adapte d'autres paramètres, mais euh, je sais que ça, ça modifie. Euh, des paramètres de base pour être adaptés à votre signal et que ce soit interprété parfaitement par le, par le gyroscope. Moi, je vois un TBS Crossfire 50 Hz. Je vous ai expliqué, le Crossfire, c'est soit en 50 Hz, soit en 150 Hz. 150 Hz, c'est ce qu'on va privilégier pour la latence, pour la race. Par contre, on ne peut pas aller loin en 150 Hz. C'est très limité en portée. Il existait avant, on pouvait mettre un genre de mode automatique. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le mode dynamique. Voilà, le, dynamique, euh, le mode dynamique. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est marqué ici, Dynamic Crossfire, 50 Hz, 150 Hz. Donc le dynamique n'est pas recommandé. Soit on bloque à 150 Hz ou à 50 Hz, c'est mieux. Donc moi, comme je vais euh, avoir un lien radio qui est bloqué en 50 Hz, je, je prends ce preset, TPS Crossfire 50 Hz. On fait choisir. Je l'ai déjà fait, donc je ne le refais pas. On fait choisir. Et ensuite, on enregistre et redémarre. Il va appliquer le protocole. Fait le, le preset. Voilà. C'est le seul preset pour l'instant que je vous conseille de mettre. C'est le preset pour votre lien radio. Voilà. Donc moi, il est déjà installé. Puisque je n'avais pas enregistré <laughs> la vidéo. Ensuite, réglage des PID. Alors là, on rentre dans un onglet où on ne va pas toucher à grand chose dans un premier temps. Cet onglet, c'est là où on paramètre les filtres, où on paramètre les PID, proportionnel, intégral, dérivé. Donc c'est justement, en général, on part PID stock et filtre stock pour ces premiers tests. Donc ça, on ne va pas toucher aux paramètres PID du profil. On va pas toucher au réglage filtre pour les premiers tests. Par contre, j'ai y mettre mes rates. Donc, moi, mes rates, je les connais par cœur. Ça, c'est très personnel, les rates. Vous les adaptez comme vous voulez. Et je serai sûrement amené euh, peut-être à y retoucher euh, pour adapter selon ce que je ressens. Les rates, en gros, c'est la façon dont réagit le, le stick, le, le manche de votre radiocommande. Les rates max, plus vous augmentez, plus il sera rapide. Sur le taux de rotation. En gros, c'est le taux de rotation. Moi, je mets à 900 degrés max. C'est un taux de rotation assez élevé. Free... C'est plus pour... pour du freestyle. Pour le cinématique, je peux être à... à... amené à baisser ce taux de rotation. Pour la race, je ne sais plus à combien je suis. Je crois que je suis à 600. Pour la race, on a besoin d'un de... quad on n'a pas besoin d'un taux de rotation hyper élevé. En tout cas, c'est ce que je ressens personnellement. Avant, on a différents types de rates qui sont disponibles, les actuels, les Beta Flight, Kiss, etc. Bon, moi aujourd'hui, je vole avec les actuelles, c'est celle que je trouve le, le plus simple à régler. Et euh, Beta Flight depuis la 4.3 est optimisé avec, avec les rates actuels. Voilà. Donc, les rates, c'est très personnel, c'est à tester. L'exposition, ça lisse la courbe, ça arrondit la courbe. On peut aussi être amené à. À mettre de l'exposition sur les gaz, à adoucir sa courbe des gaz. En fait, il sera moins sensible au centre. Alors ça, si vous avez un quad très nerveux sur les, sur les premiers millimètres de, de mise en marche de gaz, euh, n'hésitez pas à vous rajouter de l'expo. Vous euh, voyez, ça modifie la courbe des gaz. Bon, moi, je laisse à zéro. Il faut que je teste le quad avant de toucher à tout ça. C'est aussi là où on peut limiter les gaz. Pour limiter les gaz, par exemple, sur un quad trop puissant, vous allez en général, on limite en échelle, comme ça, ça permet d'avoir toute la résolution d'accélérateur. Par exemple, on met en échelle et je vais limiter. Si j'ai un quad, euh, par exemple, un 6S que je trouve trop puissant, je vais le limiter à, à 70%. Voilà. Et vous pouvez essayer comme ça, ça adoucira votre, votre quad. Il sera moins puissant, ça peut être utile si vous êtes débutant. Donc, moi, je ne mets pas de limite de gaz. Après, il y a possibilité de le mettre sur un switch, tout ça. Mais ça, je pense que je vais faire une vidéo à part. Voilà, donc ça c'est bon, je sauvegarde. Donc j'ai juste appliqué mes rates en profil rate 1 par défaut. Et pour l'instant, je ne touche à rien d'autre. Le récepteur. Le récepteur. Le récepteur, l'onglet récepteur, c'est là où on va voir comment communiquer la radio, en gros. Comment réagit le récepteur. Il y a plusieurs choses à vérifier. Déjà, on s'assure que les canaux communiquent bien. Si j'active mon accélérateur, si j'active mon yo, mon pitch et mon roll. On va s'assurer que l'ordre est le bon aussi. Beaucoup, euh, beaucoup de débutants ont des problèmes avec l'ordre des voix. Alors ça, il faut s'assurer avant tout que vous êtes bien paramétré sur votre radiocommande. Bien paramétré, ça veut dire que vous êtes bien en AETR sur votre radiocommande. Alors je crois que sur la sur la comment ça sur la Tango 2, c'est un autre paramétrage. Donc il, ensuite il faut modifier ici pour, euh, pour faire correspondre euh, le bon ordre des voix. Et ça je vous laisse voir euh, des tutos sur la sur la tango 2. Euh, enfin, moi je sais que j'avais été embêté euh, sur une tango 2 euh, d'un ami. Moi bon, J'ai réussi à la, la paramétrer, mais il faut bien s'assurer de l'ordre des voix, que ça corresponde. Donc, nous, en général, on est en AETR et on aura cet ordre des voix. Donc, on vérifie bien que son rôle correspond au rôle, yo correspond au yo, pitch, etc. Une autre chose, il faut absolument que vos mixeurs soient programmés dans votre radio pour avoir accès aux auxiliaires. Les auxiliaires, ça vous permettra ensuite de paramétrer les modes. Donc ça veut dire que les mixeurs, il faut que vous les paramétriez dans votre radio, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo. On paramètre ces ces, mix, ces mixeurs pour pouvoir avoir ensuite accès aux auxiliaires. Dans la configuration du récepteur aussi, j'ai mis 12 canaux pour avoir accès aux 12 canaux disponibles. Si vous avez un récepteur, 8 canaux, vous aurez accès. Aux auxiliaire 1 à 8 donc selon le récepteur selon les mix comment on les a attribués on vérifie que ça marche c'est à dire moi c'est paramétré si j'active si j'active un auxiliaire vous voyez que ça marche là je vais activer mon auxiliaire 3 voilà, voilà il marche l'auxiliaire 4 il marche L'auxiliaire 5, etc. Sur votre radio, les quatre voies de direction, roll, pitch, Yaw et accélérateur, sont, euh, ont déjà un numéro. L'auxiliaire 1 sur votre radio, ce sera. Euh, alors après, c'est à vous désattribuer dans les mixeurs, mais euh, ce ne sera pas forcément le numéro 1 de votre mixeur. Moi, par exemple, sur ma radio, l'auxiliaire numéro 2 de BetaFlight correspond au canal 6 de ma radio dans le mixeur. Donc si j'active le canal 6, ça correspond au, à l'auxiliaire numéro 2 de BetaFlight. Donc moi sur ma radio, vous avez euh, le canal euh, 5 ici, le canal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faites bien la relation entre les mix et les auxiliaires. Les premiers mix, donc euh, ailerons, Élevateur, portal, redless, moi c'est le canal 1, 2, 3, 4. Et le canal 5, c'est l'auxiliaire numéro 1, canal 6, l'auxiliaire numéro 2, etc. Euh, ensuite, donc récepteur, bon, moi série via UH, Crossfire, ça c'est bon. Là, on peut choisir son, son type de récepteur. Télémétrie, moi je l'active pour avoir la sortie télémétrie. Ensuite, si vous êtes un, toujours en crossfire, que vous n'utilisez pas le WTF-OS, c'est-à-dire que vous n'avez pas un retour de l'OSD Betaflight complet, vous ne pourrez pas faire apparaître le LQ, sauf comme je vous ai dit. Au tout début de la vidéo au paramétrage du crossfire, ça c'est pareil. Il y a une vidéo aussi sur ma chaîne qui est vraiment consacrée à ça. Il faut attribuer un canal de sa radio, un numéro de canal de sa radio libre pour pouvoir avoir l'affichage LQ. Et pour avoir l'affichage LQ et attribuer un canal radio libre, c'est ici que ça se passe. Vous n'utilisez pas le, le canal numéro 8 sur votre radio qui correspond à l'auxiliaire 4 sur Betaflight. Vous Cochez auxiliaire 4 pour avoir LQ, mais bon, ça je vous renvoie plus vers ma vidéo euh, comment afficher le LQ euh, du Crossfire dans le masque DJI. Au moins vous serez informé. Moi en, avec le OS j'ai directement le, la, la valeur, j'ai plus besoin de mobiliser un canal, mais euh, vous le saurez. Vous pourrez revenir dessus si besoin, vous saurez au moins où ça se situe. Donc, c'est ici qu'on rentre. Le canal qui va être consacré à la réception de la télémétrie RSSI LQ. Alors, manchon bon, ça, je ne touche pas. Manchon il y en a qui, on peut le mettre à 1000 et 2000. Quoi je veux le faire, je vais le mettre à 1000, 2000, vu que j'ai euh, une plage qui est bien en dessous. c'est n'est pas dérangeant. Si vous êtes pile à, à 1000 et 2000, à max, euh, laissez comme c'est euh, stock. 1000, 2000. Bande de neutre, moi j'aime bien me mettre un peu de bande de neutre. La bande de neutre, au centre, vous avez comme une zone, une zone morte. Des fois, il y a de, la guige, je crois qu'on appelle ça, ou la gigue, je ne sais pas comment on dit. Euh, vous voyez que ça bouge un petit peu. Donc vous rajoutez un petit peu de bande de neutre. Moi j'ai l'habitude de mettre deux. Et ça suffit largement. Bande de neutre gastro d ça c'est particulier à l'utilisation du, du 3D. Alors ça c'est encore autre chose. Voilà. Et ensuite le RC smoothing, alors on l'a paramétré en mettant un preset tout à l'heure. Moi je vérifie que je suis un facteur, j'aime bien le facteur de 30, mais ça c'est pareil, ça vous concerne pas vraiment au début pour pouvoir voler. Voilà donc sauvegarder et redémarrer, on a fini la grosse partie. Mais c'était essentiel de bien comprendre cet onglet récepteur pour pouvoir ensuite ajuster et paramétrer ses modes. Donc, on va dans les modes pour paramétrer un mode. Alors là, j'ai tous les modes qui sont disponibles. Donc, paramétrer un mode, ça veut dire que un domestique, de libre, un de mes commutateurs, je veux attribuer, par exemple, l'armement. Pour activer l'armement, alors je vais ajouter une plage. Je laisse en automatique et là, je vais activer le switch dont je vais me servir pour armer. Tac. Ça me rentre automatiquement. L'auxiliaire 1. Moi, par exemple, je vais utiliser l'auxiliaire numéro 1. Là, mon switch, il est actuellement en bas. Je voudrais que le, mon auxiliaire 1 en position basse, ce soit là où soit activé l'armement. Donc, ça correspond à ça. La barre jaune vous indique la position du stick. Si je mets au milieu, ben là, il n'y a que deux positions. Donc, en bas, il est à 2000. En haut, il est à 1000. Donc je le remets en bas et vous bougez votre plage. Ça c'est la page d'activation. Tac. Tac, voilà. Donc là, plage d'activation elle est bien au-dessus du stick à 2000, donc l'armement sera activé comme ça. Voilà. Je fais enregistrer et voilà. Là, on est en rouge, c'est normal. Ça ne veut pas dire euh, que, que ça ne marche pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas armer parce que vous êtes actuellement branché en, en USB à votre ordinateur. Donc, ça, pas d'inquiétude, votre armement est paramétré. Ensuite, qu'est-ce que je vous conse conseille d'activer euh, Vous pouvez mettre le GPS Rescue si vous avez le GPS Rescue un beeper c'est bien d'avoir un beeper. Vous pouvez euh, très bien paramétrer un euh, mode angle ou horizon. Alors ça, c'est euh, par défaut, Vous êtes en, quand angle ou horizon n'est pas activé, vous êtes en accro. Donc euh, moi, je vole en accro tout le temps. Flip, over, after, crash, ça c'est euh, ce qu'on appelle le turtle mode. Un pré-arme, important d'activer un pré-arme. Et voilà. Ça c'est les principaux trucs à activer. Alors moi je vais me récupérer mes modes d'un autre quad. J'ai des modes particuliers, j'utilise des choses particulières au niveau des modes. J'ai un préarme directement dans la radio. Euh, Donc euh, je ne peux pas tout vous expliquer, c'est pas possible. Copier, hop. Donc, je récupère mes auxiliaires. Pack, coller. Voilà, un save. Ok, je reviens dans mes modes. Voilà, là j'ai mes modes. Alors, au niveau onglet moteur, c'est ici qu'on va lui donner euh, le protocole moteur. Donc, moi c'est des shots 600. Si vous avez une boucle. Euh, comme on a réglé au début euh, dans configuration, si vous êtes sur une boucle euh, 4 kHz, vous allez plutôt privilégier du D-Shot 300. Pareil pour euh, si vous avez un BMI 270. Motor Stop, on le laisse désactiver. Et euh, ESS Sensor, aujourd'hui, on, a... Aujourd on l'utilise pas euh, la plupart du temps. Euh, on passe par euh, la télémétrie euh, directement. Moi, je vais m'activer le D-Shot bidirectionnel. accepter alors ça il faut avoir une firmware ESC compatible moi je sais que mon li 32 et euh, j'ai mis le dernier firmware mais ça partir du du 3.7 je sais plus j'ai plus en tête le chiffre bref pour euh, activer le D -Shot bidirectionnel il euh, faut être sûr euh, que, que c'est possible qu'est ce que c'est envoie les données ESC à la FC via la télémétrie D -Shot. nécessite pour le filtrage RPM et Idle, et idle dynamique. Alors c'est euh, bien optimisé le shot bidirectionnel sur euh, la 4.3 et la 4.4. Euh, moi, je me sers ensuite du RPM Filter justement et Idle dynamique. Donc euh, c'est pour ça que j'active le shot bidirectionnel. Et c'est un peu l'intérêt de la 4.3 et 4.4 de l'avoir. Euh, le nombre d'aimants qu'il y a sur le pôle moteur. Alors, ça, il faut compter le nombre d'aimants qu'on a sur, sur le moteur. En général, c'est 14 pour les moteurs de 5 pouces, mais vous pouvez avoir des moteurs à 12, 12 aimants. Donc, n'hésitez pas à, à compter vos aimants. Moi, j'ai bien 14 aimants sur le, sur le moteur. Et ralenti moteur, bon, ça, j'y touche pas. Euh, ça, on ne touche pas. OK. Par contre, je veux sens de rotation inversé. Alors, c'est là où vous allez. Vous allez dire que vous êtes en propine ou en prop-out. Moi, j'aime bien me mettre en prop-out, c'est-à-dire que quad de face, les hélices vont vers l'extérieur du quad. Donc là, c'est en propine. Moi, je veux le mettre en prop-out. On fait sauvegarder et redémarrer. Je reviens dans mon onglet moteur. Et maintenant, on va vérifier le sens des moteurs ou réordonner le sens des moteurs si besoin. Pour réordonner le sens des moteurs, bien sûr, je ne veux pas voir. Euh, je ne veux pas voir, je ne suis pas un prof, mais je ne veux pas, pour votre sécurité, ne mettez surtout pas d'hélice sur le quad. Ça devrait même être automatique. À partir du moment où on bosse sur son quad, même branché en USB ou n'importe quoi, et qu'on connecte une batterie, il ne faut pas qu'il y ait d'hélice. Point barre. Donc, on va brancher l'hélice. On va brancher la, la batterie. Vous m'avez compris. On va commencer par vérifier le sens des moteurs. Donc, réordonner. Je comprends les risques. Démarrer. Alors, réordonner les moteurs. Cliquez sur le moteur qui tourne. Donc, moi, là, c'est celui-là. Tac. Tac. Je vérifie. OK. OK ok j'enregistre et monsieur redémarre c'est bon donc je reviens sur mes moteurs ensuite direction du moteur je comprends le risque euh, bon on va faire l'assistant pour voir je vais retourner le moteur Le 1 tourne pas dans le bon sens. Cliquez sur le numéro pour changer. Okay, là le 1 c'est bon. Le 2. Le 2 il tourne dans le bon sens. Le 3. Le 3 tourne dans le bon sens. Et le 4. Le 4 ne tourne pas dans le bon sens, donc je vais réordonner le 4. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Je ferme. Et maintenant, je vais vérifier tout ça. Par contre, je vais refroidir mon VTX. Voilà, J'ai mis le ventilateur sur le VTX parce qu'il va chauffer. Là, je vais faire une dernière vérification. Je vais voir comme ça si le moteur marche, s'il n'y a pas de souci avec le D-shot, si il, si il affiche pas d'erreur. Donc, moteur numéro 1. OK. Le sens, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Donc, le D-shot passe nickel. Le numéro 2 le sens c'est ok, le numéro 3 très bien le 3 c'est ok et le numéro 4 le numéro 4 est bon aussi et il n'y a pas d'erreur donc on est très bien au niveau moteur ils sont calibrés et on est prêt. On peut débrancher sa batterie. Ensuite, vous avez l'onglet OSD. L'onglet OSD, bon, c'est là où on va choisir euh, ce qu'on met dans son euh, dans son OSD, dans ce qu'on voit à l'écran. Euh, moi, ça, je vais me le faire plus tard, tranquillement, poser. En plus, c'est assez particulier avec euh, le WTF-OS. C'est un peu ce qui m'a posé problème hein, et que j'ai dû euh, réenregistrer -re la vidéo. Donc, le SD, je vais juste me mettre par exemple la tension batterie et vous le bougez sur l'écran où, où vous le voulez. Vous sauvegardez. Euh, si vous êtes en analogie, vous êtes en pal en général. Et là, maintenant, il y a le format HD qui est disponible. Avant, on était aussi en euh, format euh, PAL de mémoire. Pour avoir... Et on avait euh, l'OSD comme ça, 4 tiers. Alors moi, c'est particulier. Ouais, je suis en HD, mais euh, j'ai un format 4 tiers qui est affiché comme ça. Enfin, c'est... Euh... Il y a un peu des soucis de communication là au niveau de l'OSD euh, et WTFOS, etc. Je ne sais pas si la 4.4... C'est bien pris en compte. Enfin, J'ai eu des, des soucis par rapport à ça. N'en tenez pas compte. Faites, euh, faites comme, euh, comme il faut pour votre, pour votre quad. Voilà. Vous pouvez également ajuster des alarmes. Euh, ça, les alarmes, il faut que je vérifie dans le manuel du Crossfire. Pour, euh... Bon, ça, je le ferai plus tard. Euh, donc, on a fait le tour. Non, émetteur vidéo. Enfin, je, je sauvegarde. Émetteur vidéo. Donc, moi, j'ai rien parce que je n'ai pas mis l'option. C'est là où vous allez rentrer les tables VTX. Donc, euh, normalement, il y, y a des onglets pour pouvoir rentrer directement les tables VTX. Je ne sais plus les formats, mais euh, pour récupérer vos tables VTX, vous les retrouvez sur euh, le manuel du VTX ou sur le site du constructeur du VTX. Et je sais qu'il y a un format spécial dans lequel on peut le rentrer. Donc ça je vous laisse faire bandeau led c'est pareil c'est là où on programme c'est led moi ça je verrai tranquillement à tête reposée c'est pas essentiel pour voler Donc le capteur euh, on s'en enfin on s'en sert pas on peut vérifier là vous pouvez vérifier si s'il y a des soucis euh, euh, et euh, black box ouais. la black box par contre alors moi je me mets mémoire sur la carte j'ai directement la mémoire dans la carte. Vous, vous pouvez avoir un port en série, euh, euh, un lecteur de carte externe en fait, euh, qui vous servira de, de blackbox. On va la laisser à ouais, 2 kHz, c'est très bien. Et par contre en mode gyroscaled. Voilà. Sauvegarder et redémarrer. Et on est bon. S'il y avait de la mémoire, vous pouvez effacer la mémoire interne ici. Normalement, la, la barre se remplit au fur et à mesure. quand elle est pleine, vous effacez la mémoire ici. Ou via un switch, comme moi je me suis mis. Je me suis mis un switch pour effacer la mémoire. Et enregistrer le flash dans un fichier. Comme vous voulez le mettre. Vous pouvez aussi, pour enregistrer le, le flash, activer le mode de périphérique de stockage de masse. De masse. Ça mettra la. L'AFC, la comme une clé USB, elle apparaîtra sur votre ordinateur et vous allez chercher les fichiers pour les copier sur votre ordinateur. Voilà, on a fait le tour de Betaflight de la configuration. C'était un gros morceau parce que je voulais quand même vous expliquer pas mal de choses, surtout si vous êtes débutant mais essayez d'approfondir. J'espère que ça n'aura pas été trop long. À ce stade, on va se déconnecter et on va tester le quad. Donc je le débranche. Ma radio est allumée. Je branche une batterie. Voilà la batterie, c'est bon. Ok, le quad démarre impeccable. L'air de fonctionner. Le bip marche. Bon, c'est bon, j'ai tout qui marche. Voilà, à ce stade, vous êtes prêt à voler. Il ne vous manque plus que régler ensuite les filtres et les PID. Ça, c'est encore un autre morceau. Ce ne sera pas moi qui vous le montrerai parce que j'ai ma manière de faire. Vous pouvez très bien partir sur des presets pour être plus tranquille ou des, des tunes qui ont déjà été faites sur par d'autres personnes et les tester euh, c'est pas forcément évident en tout cas moi je voulais vous montrer tout ceci maintenant à ce stade votre quad peut démarrer et vous êtes prêt à aller tester tout ça les amis je voulais faire une petite parenthèse pour ceux qui utilisent WTF OS pour le masque DJ pour avoir le full OSD Normalement, on était censé, moi j'utilise WTFOS sur d'autres quads et j'utilise le fake HD pour avoir l'OSD étendu dans, dans le masque, pour avoir un 16 neuvième. Euh, normalement, on était censé, en installant la 4.4, c'était censé automatiquement se désactiver. Alors oui, ça marche, mais plus ou moins bien. Il faut savoir que par contre, on ne retrouve pas les, les polices d'écriture personnalisées pour l'instant, en tout cas sur le mien. J'ai l'impression que chez d'autres, ça marche. J'essaye de me renseigner de mon côté. Euh, C'est pas, pas évident. <laughs> Je ne vous cache pas que ce n'est pas évident de trouver les bonnes infos. J'ai mis un message sur, euh, sur le Discord de WTFOS. J'essaie de me renseigner de mon côté, d'en apprendre un peu plus. J'ai testé pas mal de trucs. J'ai désinstallé, réinstallé WTFOS. En tout cas, sachez qu'il y a une mise à jour euh, de WTFOS que vous pouvez installer. Euh, donc, vous allez dans WTFOS Configurator, dans l'onglet WTFOS, et vous installez la mise à jour. Si euh, vous, installez, enfin, vous souhaitez conserver votre WTFOS, vous rentrez cette ligne de code dans le CLI HD, quand on est pour avoir un HD, donc le nouveau, euh, la nouvelle possibilité de la 4.4. Donc c'est cette ligne de code. Si vous souhaitez rester euh, en version euh, 4 tiers, entre guillemets, ou utiliser toujours le fake HD, utilisez cette ligne de code. Voilà. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant. Euh, je sais qu'il y en a eu des problèmes. <laughs> D'autres, euh, non. Euh, moi, j'arrive à le faire marcher, mais c'est un peu de la, de la bricole. Et j'ai passé la nuit à chercher des, des solutions. Je ne peux même pas tout vous expliquer maintenant. C'est trop compliqué. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse qui concerne vraiment un nombre d'utilisateurs très particuliers qui volent avec WTF-OS et qui souhaitent continuer à l'utiliser avec la 4.4. C'est amené à évoluer avec les prochaines mises à jour. Donc j'essaye de vous tenir au courant si j'ai l'information. Et voilà, j'ai fait le tour. Ça concerne pas les débutants. J'espère qu'ils auront tout compris. <laughs> J'ai passé du temps, grosse explication sur Betaflight. J'espère que mes explications ont été claires. C'était un gros morceau. J'ai essayé de détailler et expliquer le maximum de choses étape par étape. Maintenant, vous devriez être capable de programmer et configurer votre code pour son premier vol. J'espère aussi que cette vidéo t'aura aidé. Cette série a été longue à préparer et réaliser. En retour, si ça t'a aidé, je te demande une seule chose. Je te demande de m'aider à mon tour à développer la chaîne. Pour ça, abonne-toi, commente, like et partage la vidéo. Faire sa place sur YouTube, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est par ces actions que tu pourras aider ma chaîne à se développer. Et j'espère un jour pouvoir vous faire d'autres vidéos que des tutos. J'aimerais faire des essais de machines, de matos différents. Mais je n'ai pas les moyens d'acheter en permanence du matériel. Pourquoi pas me déplacer et aller voir ailleurs comment ça se passe, aller voler avec d'autres personnes Donc, la seule façon que j'ai, c'est que la chaîne gagne en visibilité. Pour ça, je compte sur toi. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon vol. Allez, salut